En Afrique du Sud, une banque met en garde l'État contre l'expropriation des terres sans compensation. Selon la Land Bank, spécialisée dans les services financiers au secteur agricole commercial, les défauts d'indemnisation estimés à 2,8 milliards de dollars pourraient frapper le gouvernement au portefeuille. Si l'expropriation sans compensation devrait se matérialiser sans protection de droits de la banque en tant que créancier, elle serait tenue de rembourser immédiatement plus de 2 milliards de dollars, a estimé Arthur Moloto, le président de la banque foncière. Cette sortie de la banque fait suite à la déclaration du président Cyril Ramaphosa le 1er août dernier, montrant les avancées de l'ANC visant à modifier la constitution pour permettre l'expropriation des terres sans compensation. Une expropriation mal exécutée sans indemnisation pourrait entraîner l'assèchement des principales sources de financement. Par conséquent, les investisseurs pourraient ne pas être disposés à continuer à financer la Land Bank en particulier ou l'agriculture en général.